C'était brutal, Catherine Lara raconte sa première avec un homme de 45 ans. Si Catherine Lara file aujourd'hui le parfait amour avec sa femme, elle a connu sa première relation intime avec un homme plus âgé qu'elle. Une première expérience qui a traumatisé la chanteuse. Dans le livre « L'amour à la vie » de Catherine Sellac, elle raconte. Catherine Lara est en couple avec Samantha depuis plus de 25 ans. La chanteuse de Nuit Magique racontait auprès de Daphné Burki. En 2020, avoir eu pour sa compagne un véritable coup de foudre, j'ai trouvé que c'était une très belle personne. Une espèce d'allure très froide, la foudre est arrivée très vite et m'a quand même frappé très fort puisque 25 ans plus tard. Je suis toujours amoureuse. Celle qui a récemment mis un terme à sa longue carrière musicale avait confié pour Combini. En juin 2022 être toujours très amoureuse de sa compagne. Je n'aime pas les femmes, j'en aime une. Je vis avec elle depuis 27 ans, c'est une longue et grande histoire d'amour qui a démarré. J'avais 50 ans. Donc l'amour absolu est arrivé, si je puis dire, pour mes 50 balais. C'était génial, confiait-elle. L'ex de Muriel Robin a cependant évoqué que toutes ces histoires passées ont été belles. Même si elles duraient 3 jours. La roqueuse de diamants a donc connu de nombreuses histoires avant de rencontrer l'amour de sa vie. Parmi ses expériences, elle en décrit une assez traumatisante à Catherine Sellac. Qu'elle rapporte dans son livre « À l'amour, à la vie », sorti en octobre 2019. L'artiste d'aujourd'hui 77 ans a connu, avant d'assumer pleinement sa sexualité, une expérience avec un homme, alors âgé de 21 ans. Elle confie dans le livre « À l'amour, à la vie » de Catherine Sellac, édition Flammarion. Avoir passé une nuit avec un homme plus âgé qu'elle. Pure Pop en a rapporté quelques extraits, « Ma première fois, je ne l'ai pas aimé du tout. C'était avec un homme de 45 ans, qui insistait depuis si longtemps que j'ai fini par céder. C'était brutal, ça faisait mal, c'était très agressif, j'ai détesté. Point. Cette expérience. Apparemment lourdingue et sans aucune grâce, a donc particulièrement traumatisé la chanteuse, qui a heureusement trouvé le bonheur dans les bras de son actuelle compagne.